Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la journée de solidarité. Cette journée est une journée de travail supplémentaire, non rémunérée, imposée à vos salariés une fois dans l'année. La loi et la branche ne vous imposent aucune date précise pour réaliser cette journée. Il peut s'agir d'un jour férié habituellement chômé dans l'agence, à l'exception du 1er mai, ou un samedi que le salarié ne travaille pas habituellement. Pour cela, il vous suffit de communiquer par écrit et à l'avance à vos salariés la journée que vous aurez choisie. Pour un salarié à temps plein, la journée s'élève à 7 heures. Pour un salarié à temps partiel, il faudra proratiser en fonction de la durée de son contrat de travail. Vous pouvez d'ailleurs à ce titre fractionner cette journée. Si le salarié ne souhaite pas venir, il peut poser un congé payé ou bien un RTT. De la même manière, si le salarié a déjà effectué cette journée dans une autre entreprise ou qu'il était absent pendant cette journée, il n'a pas à la récupérer. Si vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations concernant cette journée de solidarité, vous pouvez nous joindre à la Fédération.